Samedi 17, salut. Je suis en train de m'avancer sur le Vinted, évidemment. Je regarde ce qui est possible de faire, ce que je vais mettre, ce que je vais pas mettre. Il est midi 11. Et à midi 15, il y a Stéphane Berne, à côté de chez nous, qui vient pour commémorer en fait les 150 ans. Il y a eu une bataille dans notre ville. Il habite dans le coin. Et c'est vrai qu'Eric me dit, bah viens, on va aller voir. Il est juste en train de se doucher, donc super. Je sens qu'on va être en avance, ça doit être blindé. Je vais voir ce que je vais pouvoir faire, si on peut filmer. C'est en extérieur en plus. Ok. Voilà. On y va ou pas? Oui, oui, on est parti. Là. Tu peux mettre tes chaussures. Là, ah bah, je les ai mises. Hein. Si, si, elles sont mises, t'inquiète pas. Ah bah ouais. Ouais, bah tu fais bien. Poussez-vous, reportage. On se rapproche? Je pense que nous sommes arrivés en retard. Alors là, c'est notre maire, Fabien Verdier, que j'avais déjà vlogué la dernière fois. Coucou, ça va? Et ben voilà, il avait une réunion, Stéphane, qu'il est parti plus tôt. Bravo, bravo Eric. Oui? Vous êtes bien aimable. Et essayez de ne pas rater le truc. Bon, vous appuyez juste sur le bouton blanc. C'est bien ce que je disais. C'est ça. Hop, bonjour, smile. On est entré et on est passé à la boulangerie quand même. On n'a pas perdu le nord. On prend ce fariné, la grand fariné, mais il est exceptionnel le matin. En fait, j'avais demandé pourquoi il disait un peu comme ça, c'est parce que c'est de la farine blanche. Et moi, j'en voulais pas, mais il m'en a pris quand même. Vous savez, c'est des tartines toutes faites. Il m'a pris chèvre, tomate, un peu comme ça. Alors, retour à Vinted. Je vais mettre le premier article, la petite veste Camailleux qui fait... comment ça s'appelle, simili cuir, bah le perfecto. Et je pense à ça, j'ai des chaussures aussi, genre que j'ai jamais mises, d'autres où j'ai mis très peu. La déco, je pense que je vais mettre des articles déco aussi. Il y a vraiment de quoi faire. Hein. Toutes les photos que j'ai faites là-dessus, il faut que je les mette forcément sur l'ordi. Ok, le petit perfecto, est-ce que vous allez voir? Là, ça a l'air d'aller, j'ai mis la première photo. Maintenant, c'est au niveau du prix. Bah, j'ai jamais porté, clairement. Je crois qu'il coûtait 49 €, donc ça peut être cool de le mettre à 18. Je suis en train de comparer les prix avec des articles similaires. Et là, je vais mettre ma doudoune Sud Express. Ah, non. C'est la petite pause. La pause, déjà, je me réchauffe. Vous allez vous dire, mais il fait combien dans sa maison? Bah, il fait bon, il fait 20. Il fait 20 degrés, ce qui est idéal. Je sais pas, c'est moi qui dois avoir un problème. J'ai faim et j'ai trouvé ça hier. Est-ce que vous connaissez? C'est à Leclerc, hein, rayon... Ah si, c'est rayon bio. Je l'ai scanné et Yuka a dit que c'était médiocre. Je suis dégoûtée, j'aurais dû le scanner en truc. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et j'avance, j'ai fait 4 articles. Mais je les peaufine, puis c'est la première fois, donc je sais pas, je compare les prix, je regarde ce qu'il faut bien marquer. C'est chaud, je remonte pour voir vraiment l'état de l'habit. C'est kiffant, mais ça prend du temps. Chocolat coco. Et on sent bien les deux. Et puis là, je vais attaquer la galette à base de chocolat. C'est délicieux. Je l'ai également scanné et c'est également médiocre. Allez, concentre-toi. J'arrête pour aujourd'hui. J'ai trop fait d'ordi, j'ai envie de vomir. Par contre, je comprends pas ma doudoune là, Sud Express. Donc j'avais tout mis brouillon. Et au moment où j'ai tout mis en ligne, ça a marché, sauf la doudoune, il veut pas. Mais il met pas de message. Mais il la prend pas. Bon, on verra demain. Pas... Ce soir, c'est fête, c'est samedi. Je fais un parmentier de merlu et dedans, il y a de la pomme de terre, des fèves, des carottes, ça a l'air trop bon. Avec de la petite mâche et de la tomate cerise. Parce que c'est fête. Et toi, tu te comportes bien aujourd'hui? Oui. Ah, il faut que j'allume. Le salon. Je suis retournée sur Vinted. Je surveille, hein, parce qu'il y a quand même le parmentier. Il doit prendre sur lui. Et ça ne fonctionne pas. Je n'arrive plus à ajouter de fringues. Donc je suis un peu en angoisse. J'en ai quand même plein à venir. Je vais essayer demain, mais voilà. Je sais pas. T'es gentil pendant que pas mal allume le salon? Fière de toi, bichon. Ah oui, et si vous vous demandez, je me suis démaquillée. Juste pour le plaisir. Regardez-moi ces belles assiettes. Alors la mienne, c'est celle avec les tomates cerises. J'adore. Qu'est-ce que c'est? Je J'étais en bas, je regardais la télé, j'entendais des boum, un feu d'artifice, sans rire. Et en fait, je pense que c'est par rapport à ce matin. Oh, j'ai tout fermé, vous entendez? On dirait qu'on nous bombarde. Vache, ça résonne de partout. Je retourne à ma série. Par contre, je vous le dis, il y en a un qui doit être en angoisse, c'est Jack qui est à côté de moi, il n'aime pas ça. C'est le feu d'artifice, bichon. Hein? Oui, c'est ta maman, chérie. Mais oui, il faut pas avoir peur, mon popo. Hein? Allez, fais ton dodo. Coucou, nous sommes le lendemain, dimanche. Je suis devant chez Inter parce que, tout simplement, je n'ai plus de bananes. Et ça, c'est pas possible. Et plus d'eau. 11h40, j'ai intérêt de me dépêcher, je sais jamais si c'est midi, midi quart, midi 30, donc dans le doute, on y va. Je rappelle juste que je partais pour des bananes et de l'eau. Voilà. Mes petites bananes. Je pars pour un truc et puis bah, c'est fini quoi. Le shampoing sec, tu vois, je le connais pas. Mieux, discret et léger. Parce que souvent, moi je trouve qu'ils sont... Bah, ils sentent trop fort et puis ils laissent des trop de particules. J'ai eu envie de retester la gamme aussi. C'est vrai que c'est pas cher et c'est plutôt bien. Je range tout ça. Oh là, j'ai une coiffure un peu improbable. Je range tout ça et après je retourne à mon Vinted. Est-ce que je suis la seule à apprécier voir ma corbeille de fruits qui se remplit? Il manque un peu de rouge. Retour à mon bureau, midi 36, je mangerai juste après. Petit brief quand même parce qu'hier soir ça ne fonctionnait pas, je pouvais plus rien ajouter. Et sur les coups de 23h j'ai pu, ça a remarché. J'ai mis, parce qu'au début je mettais tout en brouillon, donc c'était pas en ligne ni visible pour personne, et j'ai mis, c'était hier soir, cette nuit, j'ai mis en ligne, mais j'ai pas communiqué encore sur mon lien, mais certains l'ont trouvé, très peu, 13 ou 14 personnes, on va les voir, je vais découvrir le goût, j'ai pas regardé encore ce matin, ce que ça donne, j'ai mis 11 articles, franchement je m'y connais pas, ah, ça fait plaisir, il y a 15 abonnés, donc ils ont dû trouver comme ça. Je communique au fait, désolée, je vous ai même pas donné. Mon lien, c'est Caroline Rouxel. Je vous l'écris ici. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez, allez voir. Ah, il y a du favori quand même. Et ah, j'ai deux propositions. Bon, j'arrête, c'est 13h26, je vais manger. Comment ça va? Tu t'es remis de tes émotions? Oui? T'as fait un gros toto? J'ai l'impression. Est-ce que Superman compte manger ce midi? Oui. Ok. Une galette de pommes de terre, ça a l'air trop bon. Je vais faire de la mâche, des tomates, des olives, la mozza. Mmh. Oh, c'est toujours zoomé à fond. En fait, cet après-midi, mon programme, il est très simple. Je dois monter ce vlog et je vous explique. Là, au moment où moi je vous parle, j'ai pas encore communiqué sur mon Vinted. Et ce que j'aimerais, c'est qu'à 18h, quand vous allez découvrir ce vlog, sur mon Vinted, il y a plus que 11 articles, ce qui veut dire qu'il faut que je recommence les photos, mettre dessus, mais il y a aussi ce vlog à monter. C'est-à-dire c'est du taf, il doit être 14h passées, je me serais bien pris un petit caf quand même avant. Je pense que c'est jouable, c'est même fort possible. J'ai l'impression en ce moment, moi je suis pas mal de personnes qui font des vlogs, et notamment il y a également tout ce qui est vlog famille, même si c'est pas le côté famille, moi enfant et tout, ça se... mais qu'il y a de moins en moins de personnes qui font des vlogs parce que tout ce qui est vlog famille, donc moi je suis pas concernée parce que je ne montre pas mes enfants, d'ailleurs je me dis que je montre pas grand chose et vous êtes quand même présents, parce que les vlogs qui fonctionnent c'est les vlogs où tu montres tes enfants, tu montres tout le monde, où tu es déjà bien connu, mais c'est dur de réussir quand tu n'es que toi en fait. Pas évident. Mais pourquoi je dis ça? Ouais, et ben en fait, les vlogs famille sont de moins en moins présents, ils ne font plus de télévlogs, vous remarquerez. Plus ou pas beaucoup, et en même temps je connais pas tout le monde, ça se trouve je me plante complet, mais moi ceux que je suis, maintenant ils font du weekly vlog, soit ils font des coupures pendant une semaine, soit ils... Enfin, c'est fini, le côté où il y avait avant, et ils le disent eux-mêmes, parce qu'au début c'était oui, j'ai pas le temps et tout, mais non, faut être honnête, en fait, c'est que l'algorithme a changé, et justement avec cette fameuse loi COPA, quand c'est famille, tes enfants, tu es beaucoup moins mis en avant, ce qui, je pense, n'est plus rentable pour eux. Ils doivent se dire, bon, parce que c'est très dur, je vous avais déjà dit, c'est très dur. Ça prend énormément de temps de faire du daily vlog. Et je pense que si tu n'as pas de contrepartie, tu dois être hyper découragé, et je pense qu'ils doivent se consacrer beaucoup plus à Insta. je le comprends également. Moi, j'ai pas changé au niveau de ma fréquence. Je fais pas non plus du daily tous les jours parce que c'est, comme je vous dis, très compliqué. J'essaye de produire du daily assez souvent. Mais encore une fois, 3000, 4000 vues, c'est pas beaucoup. Enfin, c'est pas beaucoup. Vous allez vous dire, ah, mais elle est sérieuse, c'est déjà beaucoup. Oui, 3000 personnes qui me suivent au quotidien, c'est énorme, mais pas suffisant pour en vivre. Donc, moi, je suis également en réflexion. Est-ce qu'il ne faut pas que je change de format? Même si les vlogs, j'aime beaucoup, c'est-à-dire je passerai à un vlog par semaine. Je dis ça, mais c'est pas sûr. Un vlog par semaine, à côté, je fais des vidéos un peu plus... pas éditoriales, mais... enfin, c'est pas sûr qu'elles aient même plus de vues. Je sais pas. C'est compliqué. Voilà, donc là, je suis plus mon projet que je vous parle, mais je vous en parle pas. Toujours même point. Hein. Mais je garde espoir, je vais tout faire pour. Il faut que je passe la troisième peut-être. Ouais, ça serait bien. Sinon, je bavasse. Et comme je vous disais juste avant, j'ai plein de boulot à faire cet après-midi. Donc je vous laisse, je vous fais un gros bisou. Je vous retrouve peut-être après-demain plutôt. Enfin, en tout cas, restez connectés. Et très important, et ça je vais le rappeler en début de vlog prochain, je me suis rendu compte sur ma page que 30% des personnes qui me regardent ne sont pas abonnées à ma chaîne. C'est quoi ce bazar? Ça coûte rien. Abonnez-vous, et pour voir un petit peu, moi ça va me faire monter aussi, peut-être dans pas mal de choses. Donc si vous me regardez de façon régulière, cliquez dessus, c'est gratuit. Ça me fera plaisir. Voilà, je vous embrasse très fort. Et je vous laisse. Allez, salut.